Je m'appelle Claude Carrière, je suis cellier garnisseur et depuis 28 ans, on travaille avec le CNES sur les vols habités. Les travaux que nous réalisons sont essentiellement des trousses et des boîtiers qui enveloppent tout ce qui est produit embarqué. Toutes ces trousses et ces boîtiers sont réalisés essentiellement à mousse, d'abord des mousses plastazote, qui sont extrêmement légères. On utilise en tissu le tissu Nomex, qui est un produit non-feu, à haute performance. On utilise un produit de fixation Level Chronomex, et tout ce qui maintient à la fois assemblage de mousse et de préparation de tissu en couture, on utilise un adhésif spécifique qui lui aussi également a passé les tests de dégazage auprès du CNES. Cette trousse, elle est sur l'expérience Fluidix. Ce sont les boîtiers les plus volumineux que l'on réalise. On n'a pratiquement pas de tolérance, on est à 1 ou 2 mm près sur le format que nous devons réaliser. En fait, on ne fait que se baser sur les plans qui nous sont remis. Concernant tous ces produits-là, le CNES est pris par deux contraintes majeures, c'est à la fois l'encombrement et le poids, puisque les trousses sont pesées une fois qu'elles sont garnies. L'adhésif, il nous permet l'assemblage de la trousse et puis il nous permet également de pouvoir mettre en préparation tous les éléments de tissu, ce qui nous facilite en fait la couture. C'est un travail très artisanal, oui. C'est toujours un travail à l'unité, effectivement. Une fois qu'on a décortiqué le plan, que l'on prépare toute la mousse, que l'on trace, que l'on coupe le tissu, que l'on assemble et que l'on garnisse, on est sur à peu près 10 heures de travail. Ce qui nous a marqué, ça a été la première fois que nous avons travaillé pour le CNES. Puisque lorsque le client est arrivé et qu'il nous a dit « voilà, on a besoin de sacs pour aller sur la Lune », effectivement, on s'est dit « voilà un illuminé ». C'est vrai qu'il y a de la fierté de pouvoir travailler ces différents produits-là, sachant que, ben oui, ils vont dans l'espace.